Et bonjour et bienvenue pour la survie du week-end. On continue. On est en pleine nuit. J'allume une torche. Voilà. En gros, je suis en train d'expliquer ce que vous voyez. Donc, on est en pleine nuit. On est assez reposé. J'ai de la nourriture à l'extérieur et tout ça. Je vais montrer. J'ai fait bouillir aussi les glands cuits qu'on avait. On en avait 4 de plus. On en avait 9. Du coup, on en a 13. Et oui, très bon en match, je sais. Et dans un sens, je me suis dit, waouh, 13 x 400, ça, c'est même pas 2 kilos et tout. Honnêtement, pour la nouvelle région, on va peut-être prendre que des glands cuits. Donc, voilà, j'ai pensé à ça. J'ai fait quelques petites tisanes en plus d'été et tout ça. Pourquoi ? Parce que j'ai un feu en fait en extérieur. Donc ce qui s'est passé en gros, c'est que on manquait de nourriture. Vous aviez vu la dernière fois, on manquait. J'avais beaucoup d'ours. De côté, et de cru en fait, et de cuit, du coup j'en avais peu. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait cuire pas mal de choses. Pendant que je faisais ça, du coup ça a duré un petit bout de temps. J'ai aussi donc utilisé une peau des fourrures de cerf, de lapin, d'ours aussi, et j'en ai tué un autre aussi, je vais vous montrer ça, pour... réparer mes choses. Alors honnêtement, je vais être franc, putain, c'est déjà 99%, c'est débile. Enfin bref, honnêtement, j'aurais dû les réparer quand on revient. Mais j'avais rien à faire en fait pendant que ça cuisait, donc je me suis dit on va réparer quand même. Donc voilà, donc c'était peut-être un peu bête, mais bon, voilà. Par contre, un truc qu'on va faire, c'est prendre ça, parce que j'avais fait un café exprès. Enfin, j'ai fait un café, mais ça c'est un vieux café, il est à 100 de calories normalement. Donc voilà, on a un feu. Donc ce que j'ai fait en fait pour aussi cuire très vite les choses, parce que j'ai récupéré pas mal de bâtons, il en reste très peu aussi des bâtons, faudrait que je fasse attention à ça. J'ai allumé tous les feux ici, les 4 feux, et je mettais genre à peu près 2 bâtons. Ouais, 2 bâtons, ça fait à peu près une trentaine de minutes, même un peu, ouais, une trentaine de minutes. Parce que bien sûr on est feu niveau 5 nous. Et du coup il faut à peu près une heure pour cuire un morceau de viande de 1 kg. Donc du coup avec le froid et tout, le feu durait assez longtemps. Donc au final ça prenait pas vraiment beaucoup de ressources de bois, je me suis rendu compte. C'est vrai que maintenant on peut faire des choses comme ça vu qu'on est niveau 5. Il y a aussi un loup qui a essayé de m'attaquer pendant que je faisais ça. Et on a donc l'ours qui est venu. Honnêtement je lui ai mis 2 flèches, il est mort. Donc voilà, j'ai quasiment tout pris. Je lui ai mis 2 flèches, il est mort, j'étais là en train de faire tous mes feux, là en plus on voyait quasiment plus rien avec les feux. Il a commencé à gueuler, je lui ai mis 2 flèches, il a fait 3 pas, il est mort, voilà. C'est pas vraiment très très intéressant à montrer, hein. Très très excitant, hein, j'avoue. Donc un peu déçu de ce côté là, mais bon c'est comme ça. Donc j'avais dit, oui c'est celui-là. Hop. Donc ouais, du coup ça m'a coûté des flèches par contre, j'en ai un peu moins. Il me reste plus que 12. J'ai aussi l'arc. L'arc est un peu baissé, évidemment. Ok, on va faire ça. L'arc est un peu baissé. J'en ai un autre qui est derrière nous. Il est à 70%. Enfin, qui est dans l'abri. On va pas... Je pense pas qu'on va le prendre maintenant. Mais je risque de l'inverser quand on rentrera à la maison. Comme ça, ça me fera un arc. Enfin, honnêtement, on s'en fout. Des arcs, j'en ai un peu partout. Donc, c'est pas très très grave. Attendez, 33 minutes. Si je faisais bouillir deux trucs peut-être. Désolé, je viens d'y penser maintenant en fait. Pourquoi je devrais peut-être faire bouillir. Ah oui, ouais, non, okay. Pardon, on fait des allers-retours. J'étais pas vraiment. On va dire. J'étais prêt, mais. Voilà, à une certaine limite. J'étais pas complètement prêt apparemment. C'est vrai que c'est extrêmement rare que je commence en fait les épisodes en plein milieu de la nuit. Donc du coup... Ah oui, vous avez remarqué, j'ai posé aussi les bacules parce qu'on va pas pêcher où on va. Et vous avez vu, ils reflètent pas aussi. Il y a plein d'objets comme ça qui reflètent pas encore la lumière. Je sais pas, pourtant c'est pas très difficile de faire des nouveaux objets dans les jeux. On va prendre... boulot, je crois. Boulot, parce que ça, comme j'ai dit, ça revient le boulot. Si vous voulez parler technique de jeu, vous faites l'objet, vous le modélisez avec des vertex et tout ça. Machin. Enfin, c'est pas exactement ça. Bref,
Vous le modélisez. Vous le... Vous le... Après, vous le... Vous faites en sorte qu'il marche et tout ça. Vous lui mettez une texture. Et puis après, vous, vous mettez les options pour qu'il fasse de l'ombre et tout ça. Enfin, après, ça dépend de votre jeu et tout. Et pour que la lumière aussi reflète et tout. Enfin, il y a plein d'objets comme ça où, ils, où on dirait qu'ils oublient de faire une partie du boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me... J'ai pas envie de dire que ça m'énerve, mais... Voilà, quoi. Je trouve des fois la chose vraiment toute bête, quoi. Ouais, on va les garder, les torches. On va les garder. Bah, je sais pas, ça m'embête de voir des choses comme ça, en fait. Alors, ça, on boit. Très bien, ça, c'est prêt. J'ai deux morceaux cuits. Est-ce qu'on... c'est quoi? C'est au bout de trois. Bah, attendez, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop, comme d'hab. Voilà, très bien. En fait, ça sert à rien, cette torche. J'aurais dû juste prendre une torche, en fait. Supplémentaire. Donc, dans tous les cas, on va se balader un peu. On va se balader un peu. En plus, on a un temps qui est potable. On va se balader un peu. On va se balader en bord de mer, comme j'avais dit la dernière fois. On va faire ça. Donc, on va essayer de trouver des objets, en fait, des nouveaux objets. Aussi, j'ai failli détruire ce que j'avais trouvé, parce que vous vous rappelez, on a trouvé des médicaments, mais les médicaments, ils étaient à 0%. Donc encore une, heureux qu'il y a une grosse croix rouge hein, dessus, hein, pour dire qu'ils sont à 0%. Parce que j'allais les mettre, en fait, avec le reste. Attendez, j'ai les bons vêtements. Je suis pas très lourd, mais je suis pas très léger non plus. Ah, j'ai ça. Ah, c'est pas grave. Bon, maintenant, on est parti, c'est pas grave. On se débrouillera. Au pire, on fera des choix, en fait, sur quoi prendre. On fera des choix. C'est pas très grave. Et du coup, oui, j'ai pensé que si jamais je range ça, ça va le détruire, en fait. Donc ça, c'est très, très embêtant. C'est très, très, très embêtant. Mais il y a un truc qu'il faudra qu'on fasse absolument hein, quand on aura les travois. Qu'on pourra crafter, en fait, les travois. Je pense que moi, je vais en crafter... Plusieurs peut-être par endroit, genre peut-être deux limite. Et on va les laisser dans la maison, dans nos camps en fait. Et les bourrer de nourriture, de viande. Ou peut-être à l'extérieur à la limite. Et les bourrer de nourriture. Comme ça, la nourriture en fait va se décomposer, elle va être à 0%. Mais on n'aura pas de problème. Parce que si on doit transporter beaucoup de choses et tout ça pendant un long moment, pour un long trajet. Moi je préfère mettre plein de nourriture en fait dans le travois, on est d'accord. Mais vu que, en théorie, ça va être un objet comme quoi on range des choses dedans, comme un, comme par exemple, un tiroir ou une armoire, et ben, on va perdre, on va tout perdre si c'est à 0%. Le jeu va détruire en fait ce qu'il y a. Donc c'est très très embêtant ce système encore une fois. J'aimerais bien qu'on puisse le désactiver ce système-là. Mais voilà, ça c'est un truc que je le redis parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être se faire avoir. Faudra mettre la nourriture avant qu'elle atteigne 0%. Absolument avant. Là on a un loup, je crois, en face. Et là on a l'ours. Ouais, faudra faire ça. Faudra faire ça absolument. Mais voilà. En tout cas, j'attends avec impatience la partie 4. Je crois que j'ai pris le seul endroit qui est chiant à passer. Ouais, exactement, c'est bien. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis passé par le seul endroit qui me... Un, qui est chiant à passer, parce qu'il faut monter le caillou, le rocher. Et de deux, on voit pas ce qu'il y a devant. Donc faites surtout pas ce que je viens de faire.
C'est super dangereux. On a un cerf devant, je crois. Il y a un truc qui est assez grand qui se balade, je pense. Ouais, c'est un cerf. Mais ouais. Tiens, en parlant de la partie 4, là, il y a donc Raphaël, je sais pourquoi, là, c'est celui qui a créé The Long Dark, donc, qui est le chef, le CEO d'Interland, le boss. Et il a dit qu'il a joué à la partie 4, et il a dit, waouh, ouais, c'est trop bien et tout. Donc, ouais. Après, j'ai envie de te dire, quand tu travailles sur un jeu, que c'est ton jeu, tu vas rarement dire que c'est de la merde, dans un sens. Donc ouais, ça m'a fait un peu marrer sur le coup. Mince, je crois que j'ai mis trop de temps. La boisson doit être froide. Fais chier ce loup. Ouais, c'est mort, c'est pas grave. On la fera chauffer. Ah! Le cerf est mort. Le cerf est mort. Donc ouais, ça m'a fait un peu rire de voir ça. On verra si c'est vrai ce qu'il dit. Si ça se passera bien au niveau des bugs et tout ça. Ils disent que la... Enfin, il l'a dit, pardon. Il a dit, parce que c'est pas il, en au pluriel. Il a dit que... la nouvelle zone était la zone la plus intéressante qu'ils aient rajoutée au jeu. Donc la zone avec les mines et le gaz et tout ce qui est toxique en fait. Donc c'est intéressant, ça m'intéresse. De toute façon la zone m'intéressait déjà, mais ouais, si même lui il le dit, c'est que ça doit être intéressant. J'espère que ça va bien se passer après. On n'a pas un... Non, c'est rien. Alors, on va directement passer à droite. On va voir s'il y a des choses à droite, en fait. Il y a plein de petits cailloux partout, ça, oui. Alors, j'avoue que là, je suis jamais vraiment allé très très loin. Et je sais pas si on peut vraiment aller très très loin, du coup. Bon, ça a pas l'air d'avoir grand chose. Ah si, si, si. Merde, c'est quoi, c'est un caillou? Non, c'est un bâton. C'est quoi ça? Un bâton. Ah. Attends, hop. Est-ce que j'ai... Ouais. Je pourrais faire du feu, mais il me faudrait du bois. C'est un peu dangereux parce qu'il faut pas se gourer de direction quand on fait demi-tour. Bon, on a récupéré qu'un poisson. Faut vraiment pas se gourer de direction pour faire demi-tour. Si jamais tout autour de vous ça se casse, il n'y a qu'une seule direction, c'est d'où vous venez, faut faire ligne droite. Faut faire attention à ça. Bon, par contre, on a du poisson cru du coup sur nous, ça c'est un peu embêtant. Ça, je prends, vu que la dernière fois, on en a utilisé pas mal. J'avoue que maintenant, je... C'est un peu la chose que je... Comment dire, j'ignorais un peu. J'en prenais le minimum, puis basta, quoi. J'avais jamais de gros stacks, en fait, de ces plantes-là, de ces barbes. Et du coup, j'avoue que depuis la dernière fois...
Ouais, maintenant voilà, je fais attention. Il n'y a pas du bois. Oh, il n'y a pas de bois du tout, mince. Parce que là j'aurais fait un feu sinon. Si notre torche va tomber. Après, je vais être honnête, c'est pas trop grave. Je me suis aperçu que j'avais énormément d'allumettes en fait. J'en avais mis de côté aussi encore. J'en ai au moins une cinquantaine là au camp où on est. Donc, j'avoue que les allumettes, c'est pas trop un problème. C'est sympa de passer par là. Je suis jamais passé. Honnêtement, je suis jamais vraiment. Non, je suis jamais passé du tout. Non, je vais être franc, jamais. Jamais, jamais. J'aurais dû prendre plus de torches. Bon, pas l'air d'avoir grand chose là. Oh, voilà. On peut aller là ou pas? Ouais, on va peut-être pas tenter. Ouais, on va pas tenter. On a une carcasse de cerf. On va voir s'il n'y a pas des champignons ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça, je voudrais bien encore en faire là. La collection. Après, si le temps se dégrade pas trop, on pourra se réchauffer au phare en fait. Donc ça, enfin. Mais ouais, pour la nourriture, je vais être franc, je crois qu'au final, les glands, une fois que vous avez... cuisine niveau 5, les glands cuiles, je crois que c'est les meilleurs hein, pour se balader avec. Hein. Il y a des gens récemment qui me demandaient est-ce que la cuisine par exemple... Ouh, il y a un deuxième cerf ici. Genre la cuisine, est-ce que la cuisine rendait le jeu plus facile ou pas? Je vais être honnête, la cuisine n'a rien changé du tout. Je vais être franc. Après, c'est un peu ma vue, comment je le vois dans le jeu. Mais si on veut... Attendez... Si on veut optimiser... Ah mais oui, on doit passer par une grotte, non? J'avais oublié ce passage. Non, je dois passer par une grotte. Si on veut optimiser en fait notre survie et tout ce qu'on doit faire, genre facilement et tout, genre des choses concrètes, ok? Si vous jouez pas en intrus, vous jouez avec une difficulté qui est en dessous d'intrus. Du coup, vous allez avoir aucun problème en fait à trouver de la nourriture, on est d'accord. Il va y avoir de la nourriture de toutes sortes surtout. Partout. Partout. Que ça soit même boisson, évidemment. Quand je dis nourriture, donc c'est la boisson est comprise. Je vais aller voir là-bas vite fait, mais je crois pas qu'il y ait quelque chose non plus. Non, il n'y a rien. On va peut-être le marquer sur la carte. Je sais pas si ça a un nom ici, apparemment. Non. Mais voilà, c'est, y aura aucun problème en fait. Vous n'avez pas besoin de cuisiner. Techniquement, vous n'avez même pas besoin de chasser tellement qu'il y a de la nourriture partout en fait dans les bâtiments et tout ça. Vous n'avez même pas besoin de chasser. Donc cuisiner, c'est à rien. Cuisiner, c'est, faut trouver plein de différents ingrédients
faut trouver aussi les poils, faut trouver. Ça prend du temps à faire aussi. Enfin voilà. Et puis après, ça devient pourri aussi. Et très vite, extrêmement, extrêmement vite. J'avais pas pensé qu'il fallait passer par la mine, par contre. J'avais vraiment pas pensé à ça. Putain, genre, c'est noir complet. Putain, mais ils veulent pas retravailler la lumière, sérieux. Ouais, on voit même pas l'extérieur, quoi. C'est débile. Enfin bref. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Je dis que ça sert à rien, la cuisine. Ça change rien du tout. Vous pouvez complètement l'ignorer. Si vous jouez en dessous d'intrus. Et après, l'intrus, bah, en fait, c'est l'inverse. Mais ça reste aussi inutile pour moi, je trouve. C'est-à-dire que ça prend trop d'objets qui sont extrêmement rares. Et trop éparpillés. Et surtout, ça prend trop de temps à faire aussi. Parce que vous prenez, genre, vous chassez un cerf en fait, ça vous donne plein de calories, ça vous donne 8 kilos de viande peut-être. Je crois un cerf s'il n'est pas touché par les loups et tout. Ça vous donne 8 kilos de viande et tout, et ça vous donne plein de calories. Après, le seul avantage qu'on peut utiliser de la cuisine, c'est les bœufs. Mais les bœufs, ils restent pas assez longtemps à mon opinion. Donc ça aussi c'est pas super super intéressant. Donc ouais, je sais pas. Pour moi, je pense que la cuisine a vraiment rien changé au jeu du tout en fait. Et puis en intrus, c'est trop rare de trouver les choses du coup. Ah, du coup c'est compliqué quoi. S'il y avait un moyen de pouvoir faire de la nourriture. Grâce à la cuisine, mais d'une façon où on peut genre récupérer des aliments, j'en sais rien en fait. Genre, je sais pas, on met des récolteurs, je sais pas trop de quoi. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose en fait ici. Je sais pas, mais bon, moi je trouve que la cuisine a strictement rien changé. J'ai sûrement. Il y en a plein de là. J'ai sûrement. Mince. Non. Quitter la mine. Ah, je l'ai vu quitter la mine. Ok. J'ai sûrement mangé deux trucs que j'ai fait depuis que c'est sorti. Deux choses. J'ai sûrement mangé deux choses au final. Genre un petit pain. Et c'est tout, quoi. Parce que c'est trop rare en fait de pouvoir faire des choses et puis c'est trop embêtant surtout. Alors tu prends un morceau de viande, tu le mets sur le feu et hop c'est fait quoi. Pour les calories c'est pas vraiment intéressant je pense. Ah, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, moi c'est ce que j'ai partagé ça moi. Quand on m'a demandé est-ce que ça rendait le jeu plus facile, non. La difficulté, de toute façon, elle vient du temps et des animaux. Hein. Elle vient pas vraiment des calories ou quoi que ce soit. Enfin voilà. C'était mon petit partage. On va directement sur la route. Ah, sur la route, on va sûrement rencontrer des loups directs, par contre. C'est sûr, quasiment certain. Mais au final, ouais, je pense que. Ah, peut-être qu'on a des petits pains à 600 calories, je crois. Peut-être. Qui sont aussi très très légers, je pense qu'on peut faire ça. J'en avais parlé à un moment, j'avais montré ce qu'on pourrait faire pour voyager léger, en fait. Mais je sais plus s'ils étaient à base de viande ou pas. Parce que ça aussi, c'est vrai que c'est un problème. C'est tout ce qui est à base de viande. Vous pouvez pas en transporter trop en fait. Sinon vous allez avoir des problèmes. Donc du coup ouais les glands là c'est juste super bien en fait. On pourrait peut-être directement aller sur l'eau en fait. Parce qu'à la base on est là pour ça.
m'a flairé, je pense. Ouais, c'est parti. Dans la tête. Après, on va monter au phare. Le problème, c'est que je crois que pour monter au phare, il n'y a qu'un seul endroit, c'est par le pont. Donc ça, c'est un petit problème. Il va falloir faire un détour pour revenir. J'aurais dû poser du charbon, parce que là je me suis un peu encombré en fait. Pour pas grand chose. Alors, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, parce que des fois c'est très petit. Hein. Je pense que quand on aura la nouvelle partie, je vais crafter des travois pour comme ça je vous les montrerai, comme j'ai dit. Et je vais déjà les préparer avec ce qu'on a, ce qu'on peut prendre avec nous pour aller en voyage en fait. Oh, regardez-moi ça. Ça c'est bien ça. Ouais, pour aller en voyage comme ça on sera. Ah oui, un truc qu'on pouvait faire aussi c'est garder la nourriture en fait. C'est bien ça. Gardez la nourriture crue, du coup. Une fois qu'elle est à zéro, vous la faites cuire, vous gagnez 50%. Pour ceux qui savent pas, hein, bien sûr. Quand vous faites cuire un aliment, vous gagnez 50% de je sais pas, durabilité, je sais pas, d'état. Donc oui, là après du coup, vous pourrez le mettre dans le travail. Je parle beaucoup de ça en ce moment parce que bah c'est un peu le thème principal du jeu. Hein. On attend la partie 4, on essaye de passer un peu de temps. Là, je fais quelque chose que j'ai jamais vraiment fait, donc du coup, c'est assez intéressant pour moi de voir ce qu'on peut récupérer en bord de l'eau. C'est honnêtement plus intéressant de faire ça que la pêche. Je vais être honnête. La pêche, c'est... Ah là là, perte de temps. Ah, par contre, les aliments comme ça, ouais, on va avoir un problème, on va pas pouvoir... les prendre dans le travois, s'il faut les déposer dans le travois. Oh! Ah, mais je suis vraiment au bord en fait. Faut que je regarde aussi devant moi. Ok. J'espère que j'ai rien loupé. Ça, c'est pas mal de trouver des. Ah, toujours 0% par contre. Mais des médicaments aussi. Ça, c'est sympa ça. Parce que c'est vrai que pour moi, les médicaments. J'en ai une poignée, quoi. Bon, après, techniquement, ça sert à rien, les médicaments. Vous avez plein de baies, de thé partout, mais voilà, quoi. C'est très léger, je crois. C'est ça, la différence. Ouais, par contre, on a froid. On va faire la petite île, là. Bah, du coup, en fait, là, je suis en train de m'éloigner. Bah, on va se réfugier au bateau. C'est du cuir. Oh, du cuir séché, ça c'est bon ça. Je suspecte qu'on va peut-être avoir besoin de cuir pour le travois. Je vois mal le truc être que de la peau. Il faut qu'il soit résistant aussi. Donc. Oh waouh, ok. Ouais, par contre on est méga lourd là. Ouais là on est méga lourd. Vous avez vu, on a une fusée nautique. Ah ça c'est... Ça c'est rare ça. Ça c'est bien ça. Parce que ça court pas les rues. Est-ce qu'on peut se mettre à l'abri ici? Pas, hein.
Est-ce qu'on peut passer entre les rochers? On va aller au bateau. On va peut-être dormir un peu le temps que le soleil se lève. Comme ça, on récupère la vie qu'on a perdue. Voilà, poussez-vous, comme ça. Si jamais il y a un loup qui est devant moi, c'est vous qui prenez, c'est pas moi. Ah, ça va. Il est où le bateau? Il est là. Ouais, ça va, j'ai pas besoin de déposer mes choses, c'est pas grave. C'est quoi ça, un feu? Ah, sûrement moi qui avais fait un feu pour un cerf, parce que s'il y a des cerfs là, c'est sûrement que j'avais arrêté un cerf. On va faire le tri un peu de l'inventaire, parce que là... Là, il y a quand même beaucoup de choses sur nous. Ça, on a encore tout ça à faire, là. Mais ça va, les trouvailles sont sympas. Très bien. Alors... Alors. Ouais. Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Hein. C'est exactement le même poids et tout ça. Vous voyez que ils ont pas vraiment très bien travaillé leur RNG, hein, par contre. Enfin, c'est pas grave. Après, un truc que je vais dire, c'est que tous les poissons qu'on trouve au bord de l'eau, je crois bien, ils sont toujours très lourds, très gros, en fait. Oh, 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 doucement. Ils sont toujours très très gros, j'ai remarqué. Donc honnêtement, si vous voulez vraiment juste manger, je pense que les poissons sont mieux. Enfin, ceux que vous trouvez au bord de l'eau, je crois qu'ils sont mieux que ceux que vous pêchez. Ce qui est un peu étrange. On a la fusée nautique, ça on va le casser. Et on a 3 jeunes bouleaux aussi encore, ça c'est bien, et du cuir. Ouais, c'est une bonne trouvaille, hein, honnêtement, c'est une très bonne trouvaille. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça en fait, ça prend trop de place. C'est bête qu'on puisse pas les couper les poissons en fait. Ce qu'on peut en faire c'est des appâts, mais ça sert un peu à rien. Genre la viande, à la limite, quand on la dépece, quand on dépece la viande d'une proie, on peut couper des steaks de n'importe quelle taille en fait. 1 kg maximum, et on peut faire 0,5, on peut faire, si vous annulez l'animation, vous faites plus petit. Mais là on peut pas là, c'est embêtant ça. Du coup, je crois que ce qu'on va faire, c'est mettre du charbon ici. Parce que le charbon, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà. Si jamais on veut utiliser cet endroit pour forger, en fait, il y aura déjà du charbon sur place. Alors... Ok, lisse, très bien. Je suis en train de me demander, est-ce que ça vaut le coup de faire cuire les poissons maintenant? On va peut-être les faire cuire quand on se réveillera. Ouais, peut-être. On va dormir 6 heures. Histoire de prendre déjà le fuel qui est dedans, mais parce que je vais pas rentrer avec ça. Ah non, t'es sérieux, il y a une tempête. Oh, fais chier, t'es sans déconner. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. On peut faire du feu de ici. Sur le bateau. Ah, on peut faire du feu sur le bateau. C'est intéressant ça.
C'est quoi le meilleur endroit pour faire? Je pense que c'est dans la cabine du haut. Ouais. Ah bah là, je dis pas non. Alors là. Ah, mais attends. Il faut le mettre au fond. On va voir si ça tient. Si jamais ça tient pas, on le refait pas. Hein. Par contre, il va faire trop froid. Attendez, on a ce qu'il faut pour faire à manger. Faire vite, parce que sinon on va avoir froid. Ben voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon bah du coup on va peut-être rester là et on continuera la prochaine fois, on va voir. On va voir combien de temps ça dure en fait. Ça, on peut déjà ravitailler. Très bien. Celui-là, on va le garder. On va manger d'abord le poisson, parce que le poisson est extrêmement, extrêmement lourd. Je pourrais coudre aussi. C'est vrai que du coup j'ai cousu le pantalon, les bottes, le manteau. Ça c'est les manteaux de l'intérieur je crois, celui-là qui est sorti. Du coup il prend pas très cher, ouais. Non c'est l'extérieur, ouais, bah, c'est pas grave. J'ai donc cousu ça, les gants aussi, la chapka. Et on est là. Ouais, ça a pas de très très bien évolué encore. On n'est pas encore... on n'est pas là encore. Vous pensez que c'est prêt ou pas? Ça doit être prêt. Le rican, c'est comme ça que ça se prononce. Après, si vous voulez vous la péter, vous dites le Raiken, mais le rican, c'est pas mal, c'est marrant. Ça fait rire. Ah, ça a l'air de se calmer. Ou alors le feu, il a bien pris. Prêt dans 7 minutes, parfait. C'est pas mal. Bah ici, voilà. Ça, c'est un truc. Honnêtement, j'avais peur que tout le bateau, en fait, l'extérieur du bateau, vous pouviez pas mettre un feu. Par contre, on pouvait pas vraiment le mettre proche de la paroi. Donc, je sais pas si là, il est vraiment protégé du vent. Parce qu'il y a quand même tout ça qui est ouvert, techniquement. Mais ouais, non, c'est pas mal, je suis content. Très bien, on va peut-être cuire celui-là aussi tant qu'on y est. C'est pas comme si on allait le prendre avec nous. Ouais, on va pas le prendre avec nous, mais je veux bien prendre les calories. Ouais, déjà, ils sont un peu moins lourds. Faut voir, ouais, là c'est 1100, 1 kg, là c'est, on est presque à 3 kg pour 1400, c'est vrai que c'est chiant. Hein. Ça pèse, hein. ça pèse. On va rentrer parce que il fait quand même vachement froid. J'imagine que le poisson aura plein de vitamines pour le scorbut là. J'imagine. Je crois qu'il y en a dans le poisson. Je suis pas sûr, honnêtement, j'ai pas vérifié tous les
tous les aliments qui étaient bons pour le scorbut. Mais oui, comme je disais aussi, je voudrais bien qu'on puisse mettre des favoris pour la nourriture. J'avais parlé, on avait dit, genre ça, c'était des... Ça, je crois, là. C'est super, ouais, c'est 0,10 pour 250, je crois que moi j'arrive à 300 quelque chose. Les glands, ça au gland. Ah mais les glands c'est mieux honnêtement, des glands broyés. Ouais, non, mais je crois que ça c'est du gâchis d'utiliser des glands broyés, hein, je pense. Les croquettes restent le mieux, enfin c'est 0,21, c'est un peu plus lourd. Je sais plus. Après, on m'a dit en commentaire aussi, mais j'ai un peu oublié, hein, désolé. Genre ça, c'est... Elle est où? C'est là. C'est 0,12 pour 400. C'est difficile, hein, de battre 0,12-400. Hein. Ça, c'est 150 pour 0,05. Non, les glands, là ça ferait 300. Les glands sont mieux. Les glands sont chiants à préparer, comme j'ai dit. Il y a plusieurs étapes, en fait. Donc, il faut les faire, en fait, il faut les préparer à la planque. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Mais, ouais, non, mais c'est difficile, hein, de battre ça. Hein. 0,12, 400, je vois pas quoi faire qui peut... Qui est aussi bien, faudrait calculer. Après, j'avais dit quoi d'autre qui était bien? Les tourtes, je crois. Oui, les tourtes. Mais le problème des tourtes, c'est que c'est au gibier. Enfin, c'est à de la viande en fait. Lapin, les oiseaux et tout ça. Donc, c'est à 406, c'est mieux. Quoique 0,30 en fait. Non, c'est moins bien parce que c'est plus lourd. Après, ça met un buff de transport de poids, c'est vrai. Parce que ça, j'en ai fait plusieurs. Mais ouais, le problème, c'est que c'est de la viande aussi. C'est un peu un problème. Et le jeu aussi, je sais pas pour quelle raison, ça aussi, c'est super mal fait. Le jeu aime pas du tout stacker cette sorte d'objets. Vous vous rappelez? Genre si vous avez différents pourcentages, le jeu aime pas trop les stacker ensemble. Si vous arrivez à 0%, il faut genre tous les mettre par terre en une fois, puis après vous les récupérez, le jeu va les stacker. Et quand ils sont stackés, en fait, ça compte comme si c'était une seule case. Et du coup, pour l'odeur, en fait, ça compte pour 1. Donc vous pouvez avoir par exemple deux stacks de 150 pièces de nourriture. Ça, vous sentirez pas en fait. Tant que c'est cuit, vous sentirez pas. Mais vous voyez, c'est ça un peu le problème. C'est vraiment le problème, ce système-là, je trouve. Donc ouais, je sais pas. Honnêtement, je pense que je vais prendre une vingtaine de glands. Moi, ça va faire 2 kilos, je crois, et ça va faire quasiment 10 000 de calories, je crois bien. On sera tranquille pendant un long moment quand on ira explorer. Ce sera super léger et tout. Ce sera le meilleur, je crois. Honnêtement, ce sera le meilleur. Et on prendra peut-être des trucs que j'ai cuisiné pour le juste pour le kiff de le faire. Mais honnêtement, les glands, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ça, ça. Alors, le vent a l'air de se calmer un peu. J'ai beaucoup de bois sur moi ou pas? Okay. On va faire ça. Ah, d'accord. Il y a un peu de vent, mais c'est pas trop trop froid. Surtout que mes vêtements en fait sont au max maintenant. Alors un truc que je vais faire, c'est je vais déposer les bois là. On n'en a pas besoin. Comme j'ai dit, j'en ai plein de tous les côtés. Elle est où la forge? Elle est là, la forge. Donc là, on a du charbon, on a une peau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer ça. 3. Hop, hop, hop. Très bien. Ça, on les laisse là, ils sècheront. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut laisser encore d'autre? La fusée, je vais la prendre avec moi, même si c'est un peu lourd, je vais quand même la prendre avec moi. Là, on a plein de nourriture. Il faudrait faire de l'eau, à la limite. Ouais, à la limite, il faudrait faire de l'eau. Genre 1 litre, 2 litres, peut-être. On a un fait-tout, on peut faire 2 litres.
Ah oui, là on va pouvoir aussi récupérer des faitouts et tout ça là. Parce que vous vous rappelez que maintenant je prenais quasiment rien avec moi. Genre une poêle et c'est tout quoi. Mais c'est vrai que maintenant on va pouvoir reprendre des faitouts. Parce que les faitouts, le fait que ça soit un container de 2 litres, c'est quand même vachement bien. Ça va être combien? 42 minutes? Ah, ça va être long. Mais je vais pas pouvoir. On va en faire deux. Mais ouais, du coup en ce moment je parle beaucoup de ça, mais j'ai hâte de la partie 4. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut faire en fait. J'espère vraiment que ça va bien se passer. J'espère qu'il y a des choses qui vont rajouter qu'on sait pas. Genre par exemple plus de nourriture, parce qu'on a toujours cette partie là. Donc recette de conserve recyclée. Je sais pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est. Parce que là on a donc recette au faitout, là on a la recette à la poêle. Même la recette au faitout, c'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire donc, intéressant. Les ragouts et tout ça, c'est trop de poids par rapport à la calorie, je crois. Ah, quoique, non, en fait, non, c'est pas trop. Mais c'est beaucoup de choses, ouais, non, j'avais dit de pas vraiment les faire, parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses, en fait, à chaque fois. Le mieux serait de les utiliser pour... Parce que là, c'est quand même du maïs en boîte, hein, c'est une boîte entière, et c'est 4 carottes, c'est énorme, 2 pommes de terre, c'est énorme. Et je sais pas combien on en fait de ça. Je testerai peut-être à l'occasion. Ou alors si vous le savez, combien on en fait par... parfois. Genre c'est un ragoût, j'imagine. C'est sûrement un seul ragoût. Après vous pouvez le manger plusieurs fois, mais bon. L'eau c'est bon. Ouais, on va faire l'eau et on va s'arrêter là je pense, et on continuera la prochaine fois. Moi je suis content, notre... Hop. Là on a 0,10 encore, très bien. Ouais, on va faire ça. Ah oui, j'avais pris un truc exprès. On va faire ça. Ou alors je bois du café à la place peut-être. Pour rester éveillé longtemps. Parce que j'ai eu du café, j'en ai 3 sur moi. Ah, je sais pas. Ouais, allez, vas-y, on va boire du café plutôt. On va faire ça. Depuis un petit moment, vous avez remarqué, j'utilise un peu plus d'objets, hein, de ressources et tout ça. Parce qu'on en a tellement au final, donc ça sert un peu à rien de tout garder aussi, quand même. Surtout qu'on va avoir encore plus de nouvelles régions et de choses en fait à découvrir, donc autant y aller. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois. Donc nous on est ici au Rican. On a fait tout ça. Ouais, on s'est arrêté plus ou moins là parce qu'après on est rentré au bateau. Donc on a fait un peu tout ça. Donc on va essayer de faire tout le reste. Tout le reste ici pour la prochaine fois. Puis après on rentre tranquillement. Voilà. Ouais, ça va être bien comme ça. Ça va être bien. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien, dites-moi encore si vous êtes, si vous attendez avec impatience en fait la partie 4. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'en parle beaucoup parce qu'on essaye de faire des hypothèses sur ce qu'on va pouvoir faire et tout. C'est toujours fun en fait quand un jeu qu'on aime bien et il y a des nouvelles choses qui arrivent. Voilà, en tout cas à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.